Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai montré comment linear phase sur Fruity paramétrique EQ2. Donc ici vous avez une petite option linear phase et en fait ça permet que les phases ne soient pas en même temps en fait, pour qu'il y ait une meilleure qualité des phases. Après c'est très léger au niveau du son, ça me permet d'avoir une meilleure qualité. Donc voilà, donc n'hésitez pas, dans la description il y a une formation sur FL Studio et au revoir.